Et maintenant, où est-ce que je dois aller? Il doit y avoir une indication, un signe quelque part. L'origami représentait un papillon. C'est peut-être un papillon que je dois chercher. C'est peut-être un piège. Je ferais mieux d'être sur mes gardes. Il doit y avoir un moyen d'entrer dans ce bâtiment. C'est la vieille centrale électrique de Pico. Je pensais qu'elle était abandonnée. Des condensateurs électriques. D'après le bruit, ils sont sous tension. Du verre pilé, coupant comme des rasoirs. Impossible de faire demi-tour. Il va falloir que je rampe là-dessus. Essayez de ramper doucement pour ne pas me déchirer les avant-bras. D'où vient l'air frais. Ma vue se trouble. Doucement. Il faut que j'avance doucement. Sinon, je vais tomber dans les pommes.
Allez. Bon, je suppose que je n'ai pas vraiment le choix. Je dois bien observer chaque condensateur. J'aurai plus de chances de m'en tirer vivant si je choisis le bon chemin. Un champ de condensateurs électriques. Il faut les traverser pour atteindre le papillon. Il faut que je tienne. Prochain.
ne suis pas arrivé jusqu'ici pour renoncer maintenant. Il faut que j'aille au bout si je veux sauver Sean. Cette odeur de brûlé, ça vient de moi ? Il faut que je reste concentré. Au moindre faux mouvement, je m'électrocute. Je n'abandonnerai pas. J'irai jusqu'au bout pour sauver mon fils. Les câbles des condensateurs sont plus ou moins espacés. Certains ont l'air plus faciles que d'autres.
Oh mon Dieu. Ethan. Ethan, vous m'entendez ? Ce sont des traces de brûlure sur votre torse ? Désolée, mais il faut que je vous enlève vos vêtements pour pouvoir vous soigner. Vous êtes brûlant de fièvre. Vous êtes sérieusement brûlé. Je sais pas si je vais pouvoir faire quelque chose. Vos bras sont dans un sale état. Il va falloir désinfecter les plaies. Bon, je suis pas médecin, mais je vais faire ce que je peux. Pardon, c'est du désinfectant. Jamais d'alcool sur une brûlure. Vos coupures sont désinfectées. Désolée, je vais faire plus doucement. Désolée. Je vais faire plus doucement. Désolée, je vais faire plus doucement.
Désolée, je vais faire plus doucement. Je crois qu'il vaut mieux que je m'arrête là. Vu comme je m'y prends, je suis pas sûre de l'aider. Vous vous sentez comment? J'ai connu mieux. J'ai dormi longtemps? 3 heures environ. Vous jouez souvent les anges gardiens? Avec des inconnus? Quand j'étais petite, c'est toujours moi qui soignais mes frères quand ils allaient se bagarrer avec les autres gamins du quartier. Je suppose qu'il m'en est resté quelque chose. Vous avez dit que vous étiez là parce que vous êtes insomniaque. J'ai vécu des choses plutôt difficiles durant ces derniers mois. Du genre qu'on voudrait essayer d'oublier. Je fais ce que je peux pour vivre avec, mais c'est pas facile. Ça fait 2 fois que je vous retrouve dans un sale état. Vous avez toujours l'air de risquer votre vie. Qu'est-ce qui se passe, Ethan ? Vous êtes de la mafia? Vous devez de l'argent à quelqu'un ou un truc dans le genre? Écoutez, je vous suis très reconnaissant pour votre aide. Mais dans votre intérêt, je crois qu'il vaut mieux que vous ne posiez pas de questions. Je pourrais peut-être vous aider. Personne ne peut m'aider. Vous avez déjà fait beaucoup, Madison. Bon. Je vais y aller. Faites attention à vous. C'est pas moi, je vous jure que c'est pas moi. J'ai rien à voir avec cette histoire, j'ai jamais tué personne. Ah non ? Alors pourquoi tu t'es enfui quand on est venu t'interroger ? Je vous ai déjà dit, j'ai oublié de me présenter à ma probation. Je voulais pas retourner en tôle. Quand j'ai vu les flics, j'ai flippé. J'ai pas réfléchi. On a vérifié ses informations. Il a un alibi pour au moins 3 des meurtres. Enfoiré, t'es le client parfait. Merde ! H. Ok. La mère de Sean Mars est là. Elle voudrait vous parler. C'était il y a plusieurs mois de ça. En pleine nuit.
Il pleuvait à verse. Ben est rentré trempé vers 3 heures du matin. Je lui ai demandé où il était. Il a parlé de noyade, d'eau de pluie. Il tenait des propos incohérents. Son regard, il y avait... quelque chose d'inquiétant. Comme si... ce n'était pas vraiment lui. Ça n'a peut-être aucun rapport. Mais le lendemain, on annonçait les découvertes. Origami. Retrouvez mon fils. Je vous en supplie. Bonjour, lieutenant Blake de la police fédérale. Voici l'agent Norman Jaden du FBI. D'après nos informations, Ethan Mars est un de vos patients. Nous aimerions vous poser quelques questions à son sujet. Je suis désolé, mais c'est impossible. Je vous demande pardon ? Je suis lié par le secret professionnel. Je ne peux en aucun cas discuter des dossiers de mes patients. Mon boulot, c'est de retrouver Sean Mars vivant. Et vos scrupules à la con, j'en ai rien à foutre. Il a raison. Légalement, vous devez nous dire ce que vous savez. Je suis désolé. Je ne peux rien faire pour vous. Je vais vous demander de partir maintenant. Si vous voulez éviter les ennuis... tâchez d'être plus coopératif. Votre devoir est d'informer la police si vous soupçonnez un de vos patients, docteur. Vous me menacez ? Je vous donne juste un conseil, docteur. Vous feriez bien de le suivre. N'allez pas risquer de protéger un assassin. Si vous savez quelque chose, vous devez nous le dire. Je vais passer un coup de fil à la police pour me plaindre de vos agissements. Vous commencez sérieusement à m'emmerder, non ? Tout ce qui m'intéresse, c'est de sauver la vie de ce gamin. Alors vous allez gentiment répondre à nos questions. Parce que sinon, je risque de vraiment me mettre en colère. Qu'est-ce que vous faites ? Lâchez-moi ! Vous pétez un câble ou quoi ? Mêlez-vous de ce qui vous regarde ! Vous ce n'avez type, pas c'est quelque le chose, droit. Et je partirai pas d'ici tant qu'il n'aura pas parlé. Je commence à perdre patience. Je vous conseille de nous dire tout ce que vous savez, docteur. Vous n'avez pas le droit de le frapper. Pour sauver la vie d'un enfant, j'ai tous les droits. Si ça vous gêne, vous dégagez. Qu'est-ce que vous foutez, Norman ? Vous vous dégonflez ? Vous avez peur de vous salir les mains, c'est ça ? Je croyais que vous vouliez sauver le gamin ! Je veux sauver Sean Mars tout autant que vous, mais c'est pas pour ça que ça nous donne tous les droits. Alors vous arrêtez vos conneries, tout de suite. Vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Croyez-moi, vous paierez ça tôt ou tard. Ethan Mars souffre de problèmes psychologiques depuis la disparition de son premier fils. Il pense qu'il est responsable de sa mort. Il souffre d'une sorte de névrose morbide. Il est hanté par des visions d'enfants dans de l'eau. Il y a quelques semaines, après une séance avec Ethan, j'ai retrouvé ça par terre. Je suppose que c'est tombé de sa poche.